Mécanum Animal, Enki Bilal, c'est la nouvelle exposition événement au Musée des Arts et Métiers à Paris. Bonjour Enki Bilal. Bonjour. Vous êtes un des grands auteurs de bande dessinée, reconnu comme un artiste contemporain majeur aujourd'hui. Au Musée des Arts et Métiers, c'est une exposition incroyable. Des dessins qui ont marqué votre œuvre, associés avec des objets qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Oui, effectivement, c'est une rencontre qui peut paraître surprenante, mais en fin de compte, on comprend très vite que je pense que tous les artistes ont à un moment donné croisé le grand imaginaire des inventeurs, ceux qui ont fait que le monde d'aujourd'hui est ce qu'il est. Il a été bâti par les hommes, par leurs inventions, par les machines. Et l'artiste et la machine, c'est quelque chose qui fonctionne. Il y a toujours quelque chose de hybride, oui, dans ce rapport. Hybride comme mécanum animal, le titre de cette exposition. C'est effectivement ce mot qui n'existait pas, je l'ai inventé, je dirais presque, il s'est inventé de lui-même, il s'est imposé à moi. Et effectivement, dans Mécanum Animal, vous avez la mécanique. On voit par exemple là des objets. Alors qui là, sont des objets des réserves du Musée des Arts et Métiers. Alors ça, je peux vous dire que c'est l'orthographomètre de Pivot. Alors ça, c'est ma définition, parce que tout ça est totalement détourné. Il y a du détournement d'objets. Mais effectivement, Mécanum Animal, c'est la philosophie. Ça, c'est l'indexeur de liberté. Et en fin de compte, c'est gigantesque, puisque c'est vraiment l'index de la statue de la liberté. Et quel rapport de la main avec gauche qui tient, oui, vous savez, le livre, comme ça, l'autre main tient le flambeau. Et quel rapport avec vos dessins? Comment vous faites le lien, finalement, Enki? Ben non, le lien, il est, en fin de compte, il est naturel. Les thématiques que j'aborde dans mes dessins, dans mes histoires, dans mes peintures, dans mes films, elles sont les thématiques de ces machines, puisque finalement l'histoire a été fabriquée par ces machines, l'industrie a été faite, créée par ces machines, et l'homme, l'animal qui a servi de modèle aux hommes pour fabriquer des machines. Il y a un avion qui est extraordinaire, évidemment tout le monde le connaît, c'est l'avion de Clément Ader dans ce musée, qui est gigantesque, et en fin de compte c'est une chauve-souris qui a les ailes déployées, ouais, et c'est une réplique d'une chauve-souris, donc l'animal a servi de modèle. C'est-à-dire l'homme, l'animal, la machine ne font qu'un en réalité. C'est l'aspect un peu hybride. Et d'ailleurs, l'image de la fiche, c'est exactement ça. C'est un homme qui est enchâssé dans une machine et qui, en même temps, on sent qu'il a une terminaison animale. Voilà, c'est ça. Et ça, je pense que c'est un peu l'histoire peut-être de l'humanité. Elle passe aussi par ce type d'image, c'est le lien quasi fusionnel, oui, de l'homme et de la machine qui l'a fait avancer et qui l'a inventé. Fusionnel et terrible en même temps. Il y a quelque chose de concentrationnaire, il y a quelque chose de totalitaire, il y a quelque chose de terrible et de non démocratique dans la machine. Bah oui, parce que la machine, bah, vous parlez d'enfermement par exemple. Une clé, ça sert à ouvrir. C'est la clé de la liberté, mais ça sert aussi à enfermer. Donc il y a toujours, chaque machine, chaque objet inventé a son pendant noir, sombre. C'est ce que dit très bien Paul Virilio quand il dit en inventant une machine, on invente l'accident qui va avec. Et ça a été effectivement ça qui a marqué aussi l'histoire, ouais, des inventions. Ces objets rouillent aussi. Regardez cet objet-là. C'est presque un animal. Hein. C'est presque un animal. C'est pour ça que je l'ai choisi. Il a un côté effectivement reptilien et c'est un instrument de musique. Donc à la fois, donc le lien animal, il est là aussi visuellement et en même temps, ça produit de la poésie, du son, de l'art. Donc là, il y a aussi la partie artistique dans les objets qui est présente dans ce musée. Oui. Vous, dans votre création, Bilal, depuis le début, il y a cet univers pratiquement. Vous qui venez de l'ex-Yougoslavie, vous qui avez vécu la guerre, vous qui avez vécu tout ça, vous avez exprimé dans votre œuvre des choses extrêmement profondes et finalement qui retrouvent comme ça des objets que vous avez inventés vous-même et qui retrouvent finalement des objets qui existaient déjà sans qu'on le sache. Effectivement, ces objets sont notre mémoire, sont aussi les témoins de ces lieux que l'histoire nous a imposés. Et dans les thématiques, il y a une thématique, une salle qui est consacrée au conflit, à la guerre, aux guerres. Et la guerre est présente par le son et même par l'odeur, puisque j'ai demandé à une spécialiste de créer une odeur, l'odeur de la guerre. Donc ça peut paraître absurde, mais c'est présent aussi. Il y a un côté très, très sensoriel dans cette, ouais, exposition. La fin de tout ça, c'est le robot, c'est-à-dire ce qui transformera l'animal en homme et en mécanique en même temps. Oui, effectivement, l'avenir, on est en train de l'inventer, on est en train de le créer. Et dans l'exposition, il y a un petit coin Dassault Systèmes a exprimé quelque chose de tout à fait novateur à partir d'un objet que j'avais dessiné dans une de mes histoires. Ils en ont fait quelque chose en réalité augmentée, un objet totalement virtuel. Donc voilà, ça aussi, ça a sa place dans un musée comme celui-là. Et en plus, quand il y a rencontre avec, je dirais, la création artistique d'un artiste, d'un auteur comme moi, ça prend un sens assez ludique, en fait. Oui. Passion humaine, animaux, monstres, hybrides, tout ça sont des thèmes dans ces expositions, et machines, et conflits, et planètes. Vous dites, finalement, il y a une sorte, comme vous le disiez, de fusion, mais de fusion presque irrépressible. On ne peut rien faire face à tout cela.
Non, c'est notre destin d'inventer et de créer. Les artistes créent, les inventeurs inventent. Et j'ai voulu associer aussi des écrivains, des scientifiques, des artistes dans cette exposition. Ils apparaissent par des textes, par une présence comme ça, un peu mystérieuse. Parce que simplement, je pense qu'un musée comme celui-là est ouvert à la fois à l'art, mais aussi il est ouvert à toute la création. Oui, c'est-à-dire se trouver avec des objets dans les réserves de ce musée dont on ne sait pas encore aujourd'hui à quoi ils avaient bien pu vouloir servir. Les réserves, c'est impressionnant. Il y a des choses, effectivement. Même des spécialistes ont du mal à déterminer à quoi servaient certains objets. Donc c'est relativement impressionnant tout ça. Donc ça a été une chance assez incroyable de pouvoir les choisir là-dedans, faire un casting d'objets, de pouvoir les intégrer ensuite dans l'exposition. Oui, avec ces aspects interactifs, c'est-à-dire les participants vont pouvoir eux-mêmes aller toucher du doigt avec du relief certains objets et certains éléments de votre œuvre. Oui, parce que la connexion se fait presque naturellement. Et finalement, ces cinq thèmes qui sont extrêmement bien organisés, a priori, on se rend compte qu'ils se mélangent totalement et que tout ça, c'est finalement que du concentré d'humain, de création et d'invention. Oui. L'homme, vous dites concentré d'humain, l'homme est où finalement dans tout ça? Au cœur de tout? Il est au cœur de tout, partout. Il est sa part animale aussi, c'est la mécanique. Hein, le corps humain a ses fonctions, mais le corps animal l'a beaucoup plus inspiré parce que le corps animal a été le premier aussi à sonder la profondeur des eaux, des océans. Donc l'homme s'est inspiré, l'homme était déjà sorti de l'eau. Donc il a fallu qu'il y revienne. Et pour revenir dans l'eau, il a fallu qu'il s'inspire des animaux. Donc tout ça, c'est lié. Il y a toujours une menace d'autodestruction. Effectivement, quand on a autant de talent pour imaginer, pour inventer, et l'homme a fait preuve d'énormément d'imagination, il y a toujours évidemment l'aspect négatif qui peut basculer. Et du coup, c'est la destruction. Et forcément, c'est une épée de Damoclès. C'est excitant aussi d'une certaine façon, mais il faut essayer de rester vigilant, il faut essayer de ne pas se laisser déborder. Oui, et bien mécanum animal, on arrive à le dire. Hein. Bravo. C'est vrai. Il y a une grande exposition. Beaucoup s'y sont cassés. Ouais, au Musée des Arts et Métiers, où vous avez ressurgi, je disais, tous ces objets incroyables, parce que ce musée est peu connu finalement, et vous dites ces objets sont vivants grâce à vous quelque part. Oui, ça me fait plaisir s'il devient vivant. Il est peu connu, mais il est quand même très fréquenté. C'est un musée qui est vraiment surprenant, vraiment magnifique. Merci, Yann Kibilal. L'album, il est là, il est publié chez Casterman, comme toujours. Magnifique album, on retrouve quelques-uns de vos plus grands dessins, avec tous ces objets comme ça associés. Une œuvre propice donc à l'imaginaire, à la réflexion, comme toujours avec vous. Nous étions ravis de vous recevoir sur TV5 Mandenki. Merci. À bientôt. Merci.